Connue sous le surnom de la chiotte nénette de la deuxième saison du Loft Story, Sandra Colombé a donné naissance à son 8e enfant, jeudi 14 juillet 2022. Il s'agit d'un petit garçon prénommé Charles. Son compagnon, Stéphane Chesinski, a indiqué au courrier Picard, « Sandra a senti les premières contractions vers 3h du matin et nous sommes partis à la maternité de Fourmies. » Le petit est né en fin de matinée et il se porte à merveille. Le même jour, la mère de famille devait recevoir la médaille de la famille à Nancelles-la-Cour dans l'Aisne, une décoration donnée en honneur des familles nombreuses. Seulement, elle était coincée à la maternité. Si est-il donc son mari qui a été récupérer la décoration. Si est-il un grand honneur de recevoir cette médaille. J'ai toujours aimé les familles nombreuses, a-t-elle confié après avoir suivi la remise de cette médaille à distance grâce à son téléphone. La nouvelle maman doit profiter de son nouveau bébé et prendre le temps de le découvrir. Aujourd'hui, elle mène une vie bien loin des plateaux de télévision. Elle qui a toujours rêvé d'avoir sa propre famille vit aujourd'hui un rêve éveillé. Sandra Colombé a été élue Miss Aisne, elle avait beaucoup plu aux téléspectateurs de Loft Story. Ils avaient découvert une femme naturelle, drôle qui les faisait beaucoup rire. Avant d'intégrer la Maison des Secrets, elle avait été élue Miss Aisne. Aujourd'hui, elle vit loin des lumières et se concentre sur le bonheur de ses 8 enfants. Elle fera tout pour les rendre heureux et met tout en œuvre pour qu'ils puissent vivre une belle vie.